c'est parce qu'elle a des amis aussi, elle est amie avec des humoristes comme Preach. Et puis, Eric Preach, pour ceux qui ne le savent pas. Ah oui, c'est... Là, on dirait, t'as des yeux amoureuses. Oh, moi, Preach, tout le monde le sait. Oh, OK, c'est bon. Avoir 30 ans de moins. Qu'est-ce qui est séduisant, Eric? Tout. C'est un homme avec un grand cœur. Il y a un swag. C'est un beau gars, c'est beau. Oui, puis son intelligence. Parce que quand il parle, surtout quand il fait les fallops avec Mélanie Couture, que j'ai tourné cette semaine. Oui, mais il est intéressant, vraiment. Tu peux avoir des bonnes conversations avec cet homme-là. Puis en plus, il y a un an de différence plus jeune que mon fils. Fait que, tu sais, oui, ça reste dans les... En haut de 45 ans, là... Oui. Ça commence à être vieux. Oh, okay. Moi, j'aime les petits jeunes. Bon, ben, c'est fini. Je suis plus là. Je pense avoir des chances. T'es mort. Est-ce que tu pourrais dire que t'aimes plus Eric que ton propre fils? Ah, ben non. OK, on va placer les choses en perspective. Non, il n'aime pas de la même façon. Pas de la même façon. Jean-François, c'est mon Jean-François, là. Oui. Ça, c'est mon fils. Mais Eric, ça, c'est dans mes rêves. Mais ça s'arrête là. Les plus fous.